Masechet Brachot, Daf Kaftet. On va commencer par Kafhet Amudbet, dans la Mishnah qui est au bas de la page. Rabban Gamliel Omer, Bechol Yom Vayom, Mitpalel Adam Shemona Esre. Rabbi Yoshua Omer, Me'en Shemona Esre. Jusqu'à présent, nous avons parlé des trois tefilot, Shaharit, Mincha, Arvit, l'obligation que nous avons de prier tous les jours. Mais c'est quoi la prière? C'est la Hamida. Et la Hamida, elle est constituée de combien de brachot? Alors, initialement, c'était 18 brachot, Shmona Esre, mais après, c'est devenu 19 brachot. À quel moment on a rajouté une bracha? C'était à l'époque de Rabban Gamliel, lorsque le Sanhedrin se trouvait dans la ville de Yavne. À ce moment-là, Am Israël souffrait beaucoup des malchinim, des minim, des tzedokim, des détracteurs qui ont essayé de déraciner la Torah. Alors à ce moment-là, ils ont décidé de rajouter une bracha en plus dans la Hamida pour prier à Kadosh Baruch Hu de nous sauver de ces gens, de nous débarrasser d'eux, de les éliminer. D'ailleurs, c'est très virulent comme prière. La malchinim ve la minim al teitikva chol azedim kerega yovedu chol oyvecha bechol son echa mera ikaretu umalchut arisha mera te'aker utshaber utchalem tachnia mimhera biyameinu baruch ata Hashem shover oyvim umachnia azedim. Tout cela, ça a été institué qu'au moment où Am Israël s'est retrouvé confronté à des Rechaim qui avaient voulu déraciner la Torah et donc carrément porter atteinte à l'existence du peuple juif. C'était ce qu'on appelle des ennemis d'Akadosh Baruch Hu. Echol oyvecha, echol son echa, meraï karetu. Donc à ce moment-là, on a rajouté sur le Shmona Esre, sur la Hamida qui était structurée et constituée que de 18 brachot, c'est devenu 19 brachot. Alors pour l'instant, la Mishnah nous parle que de 18 brachot, puisque initialement, c'était cela la base de la tefila. Rabban Gamliel Omer Bechol Yom Vayom, Mitpalel Adam Shemona Esre. À chaque fois qu'on fait une Hamida, on fait 18 brachot que l'on connaît. C'est la Hamida qu'on fait nous-mêmes. Mais là maintenant, on va apprendre toutes sortes d'opinions qui sont pour nous étranges. On n'a pas l'habitude. Rabbi Yoshua Omer, Me'en Shemona Esre. Rabbi Yoshua dit non, pas Shmona Esre entièrement, 18 brachot comme on a l'habitude de faire, juste Me'en Shmona Esre, à peu près Shmona Esre. Qu'est-ce que ça veut dire à peu près Shmona Esre? Alors on va voir dans la Gemara deux explications. Soit c'est une bracha qui englobe toutes les demandes, c'est la bracha qu'on appelle Havinenu. La Gemara va nous expliquer, va nous montrer exactement c'est quoi cette bracha. Ou bien, on verra une autre explication, c'est que chaque bracha, elle va être abrégée. Par exemple, la bracha de Atahonen, Atahonen l'Adam da'at, Baruch Atah Hashem honen ad-da'at. Ashivenu avinu le toratecha, Baruch Atah Hashem harotze bitshuva. Et ainsi de suite. Le début et la fin de chaque bracha, ce sera une contraction de la Hamida, un abrégé de la Hamida. Me'en Shmona Esre, c'est un abrégé de la Hamida. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva Omer, im shegura tefilato bepiv, mitpalel Shmona Esre, veim lav, me'en Shmona Esre. Rabbi Akiva, il fait un compromis. Et il dit, si la personne est capable de réciter toute la Hamida par cœur, les 18 brachot convenablement, eh bien qu'il fasse comme a dit Rabban Gamliel, Shmona Esre. Mais s'il n'est pas capable, parce qu'il ne connaît pas par cœur la Hamida, alors qu'il fasse comme Rabbi Yoshua, c'est-à-dire Me'en Shmona Esre, un abrégé de la Hamida. Il faut comprendre qu'à l'époque, les tefilot se faisaient par cœur. Et comme ils récitaient par cœur, pas tout le monde connaissait parfaitement la Hamida. De nos jours, c'est facile, on a des sidurim, alors il suffit de lire. Mais à l'époque, où on interdisait d'écrire la Torah chez Béalpé, alors même cela,
c'était récité par cœur. Rabbi Eliezer Omer a osé tefilato keva en tefilato tahanunim. Rabbi Eliezer nous dit que celui qui fait de sa prière quelque chose de fixe, de régulier, eh bien sa tfila perd la dimension de supplication. C'est-à-dire, la tefila a une double dimension. Premièrement, c'est une mitzvah comme toutes les mitzvot. Ul'ovdo bechol levafrem, ezoi avoda shebalev zoi tefila. On connaît la mahloket en Rambam et Ramban, à savoir, est-ce que c'est une obligation toraïque ou rabbinique? En tout cas, c'est une mitzvah. Alors, on peut accomplir cette mitzvah comme toutes les autres. Faire une action, voilà, j'ai fait la tefila, je suis quitte de mon devoir. Mais Rabbi Eliezer dit que non, dans la tefila, il y a encore un autre sujet. C'est le contenu de la tefila. C'est quoi le sens de la prière? C'est qu'un enfant s'adresse à son Père céleste. On vient frapper à la porte du ciel. On supplie à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de nous, qu'il réponde à nos souhaits, qu'il nous comble nos besoins. Alors, quelqu'un qui fait la tefila à tour de bras, à la va-vite, juste pour s'acquitter de son devoir, c'est haval. Il a fait la mitzvah, mais c'est un corps sans âme. Kegouf beli neshama. Il manque l'essentiel à cette tefila, c'est la supplication. Arose tefilato keva, en tefilato tahanunim. Rabbi Yoshua Omer, haoler bemakom sakana, mitpalel tefila ketsara, ve Omer, hosha Hashem et amecha, et she'erit Israël. Bechol parashata ibur, iyut sorchem lefanecha, baruch ata Hashem, shomeya tefila. Rabbi Yoshua nous dit que parfois, dans des circonstances particulières, on aurait le droit de faire une tefila qui est extrêmement brève. C'est quelqu'un qui se trouve dans un endroit qui est dangereux. Il ne peut pas se permettre de faire toute la Hamida. Alors, il va faire juste une toute petite prière. Qu'est-ce qu'il va dire? Hosha Hashem et Amecha. Akadosh Baruch Hu, délivre ton peuple. Et she'erit Israël. Israël qui est rescapé, qui a échappé à tant de dangers. Bechol parashat ha'ibur, iyu tzochem lefanecha. Qu'est-ce que ça veut dire, Bechol parashat ha'ibur? Même dans parashat ha'ibur, Hachem regarde leurs besoins et répond à leurs souhaits. C'est quoi parashat ha'ibur? On verra dans la Gemara plusieurs explications. Je vais en donner maintenant une d'entre elles. C'est que ha'ibur, ça vient du mot avera. Même lorsque malheureusement Am Israël fait des averot, on demande à Kadosh Baruch Hu pitié et qu'il continue de nous accompagner dans notre vie et répondre à nos besoins malgré tout, qu'il nous juge avec clémence et pitié, miséricorde, et pas avec rigueur. Encore un cas de figure. Haya rochev ala hamor, quelqu'un qui voyageait. Il chevauchait l'âne. À l'époque, c'était ça les moyens de locomotion. On montait à cheval ou sur un âne. Cet homme-là, maintenant, doit faire la tefila parce que l'heure de la tefila est arrivée. Yered veit palel. Il doit descendre de son âne et faire la tefila. Veimeno yachol lered. Et s'il ne peut pas se permettre de descendre de l'âne pour faire la hamida debout, normalement, immobile, parce qu'il est obligé de se retrouver sur l'âne parce que c'est dangereux, ou bien il y a quelqu'un qui conduit l'âne, il doit avancer avant que la nuit ne tombe. Yahazir et panav. Alors au moins qu'il se tourne vers Eretz Israël, qu'il se tourne vers Yerushalayim, vers le Beth Amikdash, comme nous, on a l'habitude de le faire. Tout le monde se tourne vers le Beth Amikdash. Tal piyot, tel shekol piyot ponim elav. Comme Shlomo Melech a demandé que vit palelu elecha derech artzam, el ha'ir hazot, et la Makomazé, celui qui se trouve en Eretz Israël, en Hutz Laaretz, il prie vers Eretz Israël, en Eretz Israël vers Yerushalayim, celui qui se trouve à Yerushalayim vers le Beth Amikdash, celui qui est dans le Beth Amikdash vers le Kodesh HaKodashim. Ve'imeno yachol le'azir panav, et s'il ne peut pas se diriger et s'orienter vers le Beth Amikdash,
Yechaven et libo keneged bet kodesh kodashim. Alors qu'au moins dans son cœur, qu'il s'imagine qu'il est en face du kodesh à kodashim, le saint des saints, qui est ce qu'on appelle Sha'ar HaShamayim. Enzekim bet Elohim veze Sha'ar HaShamayim. La porte du ciel se trouve en face du Bet Amigdash, et c'est par là que passent toutes les téfilotes. Encore un cas de figure. Hayam Ealer Basefina Obe Asda. Quelqu'un qui était en bateau ou sur un radeau. Yechaven et Libo Keneged Bet Kodesh HaKodashim. Puisqu'il ne peut pas s'orienter carrément vers Eretz Israël, vers le Kodesh HaKodashim, alors au moins que dans son cœur, qu'il s'imagine qu'il est en face du Bet HaMikdash, en face du Kodesh HaKodashim. Gemara. Maintenant, la Gemara va nous demander, plutôt, la Gemara va se demander, la Gemara, maintenant, va se demander sur quoi est basé ce chiffre, le nombre de 18 brachot. Pourquoi Hachamim, Anshei Knesset Agdola, qui ont rédigé la Tfila, ils l'ont structuré de telle manière à ce qu'il y ait exactement 18 brachot. Sur quoi est basé ce chiffre ? Amar Rabbi Hillel, Bere de Rabbi Shmuel Bar Nahmani, Keneged Shmona Esre Azkarot, chez Amar David, Be'avu Lashem Bene Elim. Dans le Mizmor que David Amelech a composé, Mizmor le David, Havu Lashem Bene Elim, Havu Lashem Kavod Varoz. Combien de fois le nom d'Hachem est mentionné dans ce Mizmor ? 18 fois, on a le nom d'Hachem. Par rapport à ces 18 fois, le nom d'Hachem, eh bien on a 18 brachot. Certainement, David Amelech, qui était Baal Ruach HaKodesh, savait que dans le ciel, il y a 18 chemins qui mènent vers Hachem, où chaque bracha, elle a son circuit, sa trajectoire. Rav Yosef Amar Keneged Shmona Esrei Azkarot Shebikriat Shema. Ce chiffre de 18, on le retrouve dans Kriat Shema. Il y a exactement 18 fois le nom d'Hachem qui a été mentionné dans le Kriat Shema. Amar Rabbi Tanhum Amar Rabbi Yoshua Ben Levi Keneged Shmona Esrei Huliot Shebashidra. D'après Rabbi Yoshua Ben Levi, les 18 brachot correspondent aux 18 vertèbres de la colonne vertébrale. Quel rapport ? On comprendra mieux par la suite. Ve'amar Rabbi Tanhum Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, Hamit Palel, Tzarich Shichra, Hachit Pakeku Kol Huliot Shebashidra. On le sait que dans la Hamida, on va se prosterner 4 fois. Au début de la Hamida et à la fin de la première bracha, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Au début de Modim et à la fin, Baruch Ata Hashem Atov Shimcha Ulchana Eleodot. Eh bien, comment on doit se prosterner ? On doit se pencher, se courber, jusqu'à ce que les 18 vertèbres de la colonne vertébrale apparaissent dans le dos. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est que la ga'ava de l'homme, l'orgueil de l'homme, se traduit par une tenue droite de sa silhouette. N'est-ce pas ? Il est fort, il est vertical. Eh bien, en réalité, toute la force de l'homme provient d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous donne la force de tenir debout. C'est lui qui redresse notre silhouette. Hashem Zokef Kefufim. Et donc, Baruch Ata Hashem. On se redresse dans Hashem Zokef Kefufim. Et c'est pour ça que on doit se prosterner Hachit Pakeku Kol Huliot Shebashidra, jusqu'à ce qu'on puisse voir toutes les vertèbres, pour dire la colonne vertébrale n'est pas droite. Devant Hachem, on n'est pas droit, devant Hachem, on n'est rien du tout. On se baisse devant lui. Notre colonne vertébrale, elle est totalement courbée devant Hachem. Eh bien, par rapport au nombre de vertèbres qui sont 18, 18 huliot, on a 18 brachot de la Hamida. 18 fois, on demande à Kadosh Baruch Hu des choses. Ou on fait des shvachim. Roula Amar Ad Kedeshir et Shira et Issar Keneged Libo. Oula dit que on ne doit pas simplement plier son corps en deux.
Il faut même plier la tête, pencher la tête de manière à ce qu'il y ait un bourrelet qui se forme au niveau de sa poitrine, en face du cœur, qu'il y ait un pli de la chair. Quelqu'un qui se plie, qui se penche, eh bien, il va y avoir un bourrelet. De quelle taille? De hissar, comme une pièce de monnaie qui s'appelait hissar à Italki. Eh bien, hissar, c'est la taille du bourrelet. Pour dire que quand on se prosterne, on doit se prosterner « Hachira e isar keneged libo » Rabbi Hanina amar kevan shenirnia rosho shuv eno tsarich amar ava veudem tsarir nafshe ou merze keman dekara. Rabbi Hanina dit qu'il est suffisant juste de pencher la tête, de plier la tête, ça suffit. Amar ava, Rava dit quand est-ce que ça suffit? C'est seulement si c'est difficile pour lui de se prosterner vraiment, parce qu'il est vieux, parce qu'il est fatigué, il est malade, mais sinon quelqu'un qui est en bonne santé doit se prosterner convenablement. Et maintenant la Gemara pose la question suivante. Hané tamne sare, tish sare havian. Je ne comprends pas pourquoi la Mishnah a parlé de 18 brachot, mais il y en a 19. Amar abilevi birkat aminim biyavne tiknuha. Cette bracha de la Malchinim et la Minim, qui a été instituée dans la Hamida, ça a été rédigé que plus tard. Ce n'est pas Anshe Knesset Agdola qui l'ont formulé. C'est à l'époque où Rabban Gamliel, qui était le Roche Rabeddin, qui était à Yavne, dans la ville de Yavne, comme on sait que Esser Galouyot Galta Sanhedrin, l'une des Galouyot du Sanhedrin, c'était à Yavne. C'est à ce moment-là que Am Israël a beaucoup souffert de tous ses détracteurs, des tzedokim, des minim, des malchinim. Eh bien, il a fallu formuler et rédiger une bracha nouvelle qu'on a introduite dans la Hamida pour prier Hachem de nous débarrasser de ces gens. Amar, Rabbi Levi, les Rabbi Hillel, Bered, Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, Keneged, El Akavod Iraim. La question était, comment tu peux rajouter encore une bracha dans la Hamida, mais on a dit que les 18 brachot correspondaient aux 18 azkarot qu'on retrouve dans Mizmor les David, ou bien les 18 azkarot du nom d'Hachem qu'il y a dans Kriyat Shema, ou bien les 18 huliot shebashidra. Alors on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas se permettre de rajouter des brachot dans la Hamida. Il y a un nombre précis qui correspond, comme on a dit, à des circuits dans le ciel, que David Ameler savait, que Akadosh Baruch Hu a fait allusion à cela dans les 18 Askarot de Kriyat Shema, Nahon, ou bien d'après celui qui a dit que c'est par rapport aux 18 vertèbres. Alors comment on s'est permis de rajouter une bracha dans la Hamida, la Malchinim et la Minim? Alors il y a ici trois réponses très belles. D'après celui qui a dit que ça correspond aux 18 noms d'Hachem qui figurent dans le psaume Mizmor le David, alors là-bas, qu'est-ce qu'on retrouve? Keneged el hakavod hirim. Dans ce Mizmor, c'est vrai qu'il y a 18 fois le nom d'Hachem, Yudke Vavke, mais il y a également le nom d'Hachem qui est El. El hakavod hirim. Alors, par rapport à quel au nom d'Hachem, on a rajouté la Malchinim et la Minim. Donc ce n'est pas de trop. On a déjà ce nom qui figure dans ce Mizmor, les David, pour faire allusion à cette bracha supplémentaire qui est la Malchinim. Les Rabbi Yosef, et d'après Rabbi Yosef qui avait dit que les 18 brachot sont en correspondance avec les 18 noms d'Hachem qui figurent dans le Kriyat Shema, comment est-ce qu'on a pu rajouter la Malchinim? Les Rabbi Yosef, Keneged Ehad Shebekriyat Shema. Hachem Elokeinu, Hachem Ehad. Ehad, Hachem est unique. Eh bien, ce qualificatif de Ehad, c'est aussi un qualificatif du nom d'Hachem. C'est un attribut d'Hachem. Pourquoi? Parce que il n'y a que Hachem qui est Ehad. Comme on dit, dans Yigdal Elokim Haivish Tabbah, Nimtza Ve'en Et En Metziuto. Ehad ve'en yahid ke yihudo. Nimtza ve'en sof li ahduto. En yahid ke yihudo.
Le Ehad, le seul qui est Ehad, et En Od Milevado, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, bien qu'il y ait 18 fois le nom d'Hachem en tant que Yudke Vavke, mais même le Hachem Ehad, Ehad, c'est un qualificatif du nom d'Hachem. Donc, on a pu rajouter une bracha dans la Amida, qui est la Malchinim et la Minim, qui correspond à Ehad. Les rabbis Tanhum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, d'après Rabbi Yoshua ben Levi qui avait dit que c'est par rapport aux 18 vertèbres, que Neged Hulia Ktana Shebashidra. En fait, cette bracha qui a été rajoutée, elle correspond à une petite vertèbre qui est dans la colonne vertébrale. C'est quoi cette petite vertèbre? C'est le Etsem Luz. Le Etsem Luz. Vous savez que Motsai Shabbat, on met du vin derrière la nuque, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que là-bas, on a un petit os qui sera le moyen de la Tchiyat HaMetim. Un os qui ne disparaît jamais, même après la mort. Et d'ailleurs, quand on mange Seouda Rivirit, c'est pour nourrir cet os. Par rapport à ce Etsem Luz, alors en effet, on a une bracha supplémentaire de la Malchinim ve la Minim Altei Tikva. J'ai une idée personnelle, entre parenthèses, c'est que le Etsem Luz, c'est un os qui disparaît jamais. Am Israël ne disparaîtra jamais, malgré tous les dangers, malgré tous les détracteurs. On a des ennemis à l'extérieur. Il y a tellement d'antisémitisme dans le monde. Mais malheureusement, parfois, il y a des ennemis à l'intérieur du peuple juif. Les malchinim, les minim, des gens qui sont athées, des gens qui ne veulent pas croire en Kadosh Baruch Hu, des gens qui ne croient pas en la Torah et qui veulent, Chas v'Shalom, déjudaïser le peuple juif. Ça, ce sont nos ennemis qui sont les ennemis d'Hachem, qui veulent nous faire perdre notre identité juive. Eh bien, il faut qu'ils sachent. Am Israël Hay. Am Israël Hay Vekayam. Et la Torah ne sera jamais oubliée du Am Israël. Alors, c'est comme le Etsem Luz. Quand on a fait cette bracha de l'Amalchinim Velaminim Altei Tikva pour protéger Am Israël, ça correspond à l'éternité d'Israël, en effet, qui ressemble au Etsem Luz. Je ferme la parenthèse. La Gemara maintenant va nous raconter quel était le déroulement, comment concrètement on a formulé cette bracha de la Malchinim. Tanu Rabbanan, Shimon Apakoli, Hisdir Shmona Esre Brachot, Lifne Rabban Gamliel, Ala Seder Biyavne. Shimon Apakoli avait ordonné la structure de la Tfila. Ça veut dire Anshekne, cet Agdola, ce sont eux qui ont rédigé les 18 Brachot. Mais il n'avait pas imposé un ordre. Celui qui a ordonné la tfila, c'est-à-dire les trois premières brachot, Magen Avraham, Echayam Eti, Maël Akadosh, et à la fin, on a Hatov Amarzir Shechinato Letzion, Hatov Shimcha Olchana Eleodot, Amvarech et Amo Israël Bashalom. Et au milieu, on a les 13 brachot, les 13 demandes. Ça, c'est Shimon Apakoli devant Rabban Gamliel à Yavne. Et là-bas, Rabban Gamliel va s'adresser au Hachamim qui était devant lui. Amar lahem Rabban Gamliel Hachamim, Klum yesh Adam sheyodea letaken birkat aminim. Il leur a dit, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui pourrait composer cette bracha contre les minim, contre les malchinim? Amad Shmuel Akatan vetikna. Shmuel HaKatan s'est levé et il a dit, eh bien moi je vais m'investir pour être metaken, cette bracha, c'est-à-dire l'instituer, la rédiger, la formuler. Shmuel HaKatan, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'avoir un homme aussi grand comme Shmuel HaKatan? La Gemara dit dans Maseret Sanhedrin qu'il y avait une fois une bat kol, une voix céleste qui a retenti en 10 ans dans le Beit HaMidrash, il y a parmi vous un homme qui mérite que la Shechina réside et règne sur lui, seulement, à cause de sa génération, ça ne se réalise pas. Et c'était qui? Tout le monde a regardé Shmuel HaKatan. C'était un super tzaddik qui n'arrêtait jamais d'étudier la Torah. Un Kadosh Elyon. Il fallait un homme comme lui pour pouvoir composer une bracha qui correspondait vraiment à ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous comme prière.
Amad Shemuel Akatan Vetikna. Alors maintenant, la Gemara va raconter une histoire très étrange. Les Shana Acheret Shechaha. L'année suivante, Shmuel Akatan a oublié cette bracha qu'il avait rédigée. Vishkif ba shtaim veshalosh shaot. Et pendant 2-3 heures, il essayait de s'en souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut raconter l'histoire. Au début, lorsqu'ils avaient rédigé cette bracha, c'est comme ça qu'expliquent certains mefarshim, qu'ils ne l'avaient pas rédigé pour les yehidim, mais uniquement pour le shaliach tzibur. Il n'y avait que le chazan qui récitait cette bracha. Et puisqu'il n'y avait que le chazan qui récitait cette bracha à Betzibour, Shmuel HaKatan, lui, n'avait pas fait chazan depuis une année. Depuis un an qu'il n'avait pas fait Shaliach Tzibour. Donc il a eu le temps d'oublier, puisque on n'avait pas institué la bracha de la Malchinim pour tous les Yahidim. C'est pour ça qu'il a oublié. Or, maintenant, quand on lui a demandé de faire chazan, il était au milieu de la Hazara, il essaye de se souvenir, il dit la Malchinim et la Minim, Al-Tidikva, il ne se rappelle pas de la suite. Alors, ça c'est une explication. Deuxième explication, c'est qu'on dit que Shmuel HaKatan, il était comme Rabbi Shimon Bar Yochai Vahaverav. La Gemara dit que nous, on doit faire la tefila 3 fois par jour, mais quelqu'un que Torato ou Manuto, la Torah c'est son travail, c'est-à-dire que jour et nuit il étudie, il ne s'arrête jamais. Un homme pareil, il n'est pas tour de la tefila. Shmuel HaKatan, il était de ce niveau. Nous, pourquoi on est hayav de tefila? Parce qu'on s'arrête pour nos besoins. On s'arrête bien pour nos besoins personnels. Alors c'est sûr qu'il faut s'arrêter pour les besoins de la tefila, pour faire la tefila. Mais Shmuel HaKatan, pourquoi il a oublié la Malchinim? Parce qu'il ne priait pas même biyahid, puisqu'il était tout le temps occupé à étudier la Torah. Ça, c'est aussi une autre explication des Mefarshim. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Shmuel HaKatan, il était là, Yored Lifnei HaTeva. On dit Yored Lifnei HaTeva parce qu'eux, ils avaient l'habitude que le Shaliach Tzibour se trouvait dans un creux, dans le sol. Pas sur une Teva qui était en hauteur, au contraire. Mima Amakim Keratira Hashem, en profondeur, pour avoir une anava devant Hachem. Alors maintenant qu'ils avaient invité Shmuel HaKatan, il était en train de faire la Hazara, il est arrivé à la Malchinim Vela Minimal Tikva, et il a vu qu'il a oublié, et il essaye de se rappeler, il essaye de s'en souvenir. Il est resté pendant 2 heures ou 3 heures en train d'essayer. Veloy Alouhu, le Tzibour n'a rien dit. Aïe, 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 quel Tzibour ils avaient. Ils ont un tzaddik qui est en train de faire Shaliach Tzibour et il voit qu'il ne fait rien. Il essaye de se souvenir de la suite. Au lieu de faire une manifestation, ils attendent patiemment. Ashrei ha'am shekachalo. Ça, c'est la grandeur du Ham Israël. Maintenant, la Gemara pose la question. Elle dit, Amai lo eluhu, pourquoi ils ne l'ont pas viré? Pourtant, il y a une halakha qui dit, Ve'amar abudamarav, ta'a bechol abrachot kulan en ma'alinoto. C'est-à-dire, un chazan qui a sauté une bracha par oubli, alors il ne faut pas le virer. Il faut juste qu'il recommence cette bracha, il corrige, il continue. Mais s'il a sauté la Malchinim et la Minim, alors on le soupçonne d'être un tzedoki. Et donc pourquoi il a sauté la bracha de la Malchinim et la Minim al Tikva? Parce que lui-même c'est un racha, lui-même c'est un tzedoki, et il ne voulait pas se maudire en faisant cette bracha. Alors on ne veut pas que notre Hazan, notre Shaliach Tzibour soit un racha. C'est pour ça que Ma'ali Moto, ça veut dire on le fait monter du creux où il y avait le Hazan et on lui dit arrête ta tfila. Haishinan Shema Minhu. Peut-être que c'est un kofer, un homme tzedoki ou un homme athée. Ouais, on va dire Avodah Zara. Alors, comment ça se fait que Shmuel HaKatan, on ne l'a pas soupçonné? Réponse, Shane Shmuel HaKatan, des Ihu Tikna. C'est pas possible que Shmuel HaKatan soit un tzedoki. C'est lui qui a rédigé cette bracha contre les tzedokim.
La Gemara dit, il venait Hushdil Mahadarbe, mais peut-être qu'au moment où il avait rédigé et formulé cette bracha, il était tzaddik, mais peut-être qu'après, Hazarbo, il est devenu racha. Amar Abaye, Abaye répond, Gemire, on a une tradition. Tava lo have bisha. Quelqu'un de bien ne peut pas devenir mauvais. Un tzaddik ne peut pas devenir racha. La Gemara dit, Vela, ah bon? Est-ce qu'un tzaddik ne peut pas devenir racha? Ve'aktiv ou beshuv tzaddik mitzit kato ve'asa avel. Il y a un passage dans Yechezkel qui dit qu'un tzaddik qui malheureusement a dégringolé sur le plan spirituel et il a commencé à faire des averot. Donc ça existe, un tzaddik qui a commencé à faire du avel. Réponse, ha'ou racha me'ikaro. Aval tzaddik me'ikaro, lo. Là-bas, le passage qui parle de quelqu'un qui était racha, tzaddik racha. Comme on dit en français, chasse la nature, elle revient au galop. Mais quelqu'un qui était tzaddik depuis sa jeune enfance restera tzaddik jusqu'à la fin de ses jours. La Gemara dit, ah bon, velo, est-ce qu'un tzaddik me'ikaro ne peut pas devenir racha? Ve'atnan, al ta'amin be'atzmecha ad yom motra. Share Yohanan Kohen Gadol Shimesh Bikuna Gdola Shemonim Shana Ulbasof Na'asa Tzedoki. La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot qu'il ne faut pas avoir confiance en soi-même. Même un tzaddik ne doit pas avoir confiance en lui-même puisque le Yetzer Hara ne s'arrête jamais de travailler. Il n'est jamais au chômage. Le Yetzer Hara poursuit l'homme jusqu'à la dernière minute de sa vie. La preuve, Yohanan Kohen Gadol, c'était un tzaddik. Il était Kohen Gadol pendant 80 ans. Et après, malheureusement, il est devenu tzedoki. Les tzedokim qui ne croient pas en Torah chez Béalpé. Abaye répond, Amar Abaye, Hu Yanaï, Hu Yohanan. C'est spécial. Yohanan, tu veux savoir c'est qui? C'est Yanaï HaMelech. Et Yanaï HaMelech, on connaît son histoire. Yanaï HaMelech, la Gemara raconte dans Maseret Kiddushin, Nafsa Mervav, qu'il avait tué tous les hachamim à son époque, qui avaient remis en cause son état de Kehuna. Ils avaient, les Hachamim soupçonnaient qu'il était halal, parce que sa mère, on avait un safek si elle n'avait pas été prise en otage par des goyim, et que donc en tant que femme qui a été avec un goy, ne peut pas se marier avec un Kohen. Et si jamais elle se marie, cette halala, avec un Kohen, l'enfant est halal, il n'est plus Kohen. Et comme il y avait eu une histoire avec la famille de Yanaï HaMelech, alors les Hachamim avaient un doute quant à son statut de Kohen Gadol. Il était tellement en colère qu'il les a tous tués. Il n'y a que Shimon ben Shattach qui a échappé, parce que la sœur de Shimon ben Shattach, c'était la reine, la femme de Yanaï HaMelech, et elle l'a caché à ce moment-là. En tout cas, ce n'est pas étonnant que ce Yanaï qui était un rachat, qui était Yohanan Kohen Gadol, qui a exercé la Kehuna pendant 80 ans, après ça est devenu Tzedoki, parce qu'on n'a pas affaire à un tzaddik. Mais si c'est un vrai tzaddik, en effet, il ne peut pas devenir racha. Donc Shmuel HaKatan, qui était tzaddik Merikaro, c'est pas possible qu'il devienne racha. Mais Rava n'est pas d'accord. Rava Amar, Yanaï Lehud, mais Yohanan Lehud. Aucun rapport entre Yanaï et Yohanan. C'était deux personnes différentes. Donc Yanaï, en effet, tu peux dire que c'était un racha me'ikaro. Yanaï racha me'ikaro, mais Yohanan tzaddik me'ikaro. Mais Yohanan était tzaddik au départ. Alors la Gemara va reposer la question. Hani hale abaye el ale ravakashia. Je peux concevoir, en effet, que d'après Abaye, un tzaddik ne peut pas devenir racha. Pour ça que Shmuel HaKatan, on ne l'a pas soupçonné. Et l'histoire de Yohanan Kohen Gadol qui est devenu Tzedoki, parce que Yohanan, d'après Abaye, c'est Yanaï qui était Racha. Et là, les Rava Kashia. Mais d'après Rava, qui dit que ce sont deux personnes différentes, Yanaï était Racha Me'ikaro, mais Yohanan était Tzaddik Me'ikaro, et pourtant il est devenu Tzedoki à la fin, donc tu vois qu'un Tzaddik peut devenir Racha, pourquoi les Hachamim n'ont pas viré Shmuel HaKatan lorsqu'il a sauté la bracha de la Malchinim? Ils auraient dû le soupçonner.
d'être un tzaddik qui est devenu racha. Tzaddik me'ikaro namidin mahadarbe. Alors, yachi amay lo askuhu. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas viré? Réponse. Shane Shmuel HaKatan de Athilba. Shmuel HaKatan, il n'a pas sauté toute la bracha de la Malchinim. Shmuel HaKatan, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait commencé la Malchinim vela minim al tedikva. Comme il a commencé la bracha contre les minim, seulement il n'a pas réussi à terminer la bracha. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié. Mais on voit que ce n'est pas quelqu'un qui a cherché à sauter cette bracha. La preuve, c'est qu'il avait déjà commencé la bracha. D'ailleurs, de Amar Abiyuda Amarav, Vete Marab Yushua Ben Levi, Lo Shanu Ela Shelo Ithilba, Aval Ithilba, Gomra. Quand est-ce qu'on doit virer le Chazan, le Shaliach Tzibur, à cause de cette bracha qu'il a sauté? C'est seulement s'il a sauté qu'il n'avait pas commencé cette bracha de la Malchinim. Mais s'il avait commencé la bracha de la Malchinim et la minimalté d'Igva, simplement il s'est trompé au milieu, alors il peut terminer la Hamida, on le laisse, on ne le soupçonne pas qu'il a fait exprès. Et maintenant la Gemara va s'interroger quant à la prière du Shabbat. On sait que pendant la semaine, on a 19 brachot dans la Hamida. Mais Shabbat, on n'a que Shevar Berachot. Les trois premières, les trois dernières, et au milieu, on a Mekadesh à Shabbat. Alors la Gemara se demande, Hane Shevar de Shabta Kenegedmi. Par rapport à quoi les Hachamim ont institué les 7 brachot de la Hamida de Shabbat, puisqu'on a dit qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Chaque chose est calculée, puisque ça correspond à des circuits dans les hautes sphères célestes, dans les mondes supérieurs. Réponse. Amar Rabbi Halavta ben Shaul, Keneged Shiv'a Kolot, chez Amar David Alamaim. Ça correspond aux 7 fois où il y a écrit le mot Kol dans le Mizmor les David. Mizmor les David avou l'Hachem en Elim. On avait trouvé 18 fois le nom d'Hachem qui est mentionné. Eh bien, dans ce même Mizmor, il y a écrit 7 fois le mot Kol. Kol Hachem Bakoah. Kol Hashem Behadar, Kol Hashem Shover Arazim, ainsi de suite. Par rapport à ça, on a Sheva Berachot le Shabbat. Très bien. Maintenant, la Gemara demande va se demander quel est le din des Teshar Brachot de Rosh Hashanah. On sait qu'à Rosh Hashanah, on a 9 Brachot. Parce que entre les 3 premières et les 3 dernières, on rajoute Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Ça fait en tout 9 brachot. Kenegedmi, ça correspond à quoi? Amar Rabbi Yitzhak de Min Kartigenin, Rabbi Yitzhak de la ville de Kartigenin a dit Keneged Tesha Azkarot, Shamra Hana Bitfilata. C'est par rapport aux 9 noms d'Hachem que Hana a répété dans sa tfila. Vatit Palel Hana Vatomar. Et d'ailleurs, on va voir dans le Perek d'après que on apprend de Hana comment il fallait prier, comment il faut prier. Eh bien, puisque elle a récité et elle a mentionné 9 fois le nom d'Hachem, par rapport à ces 9 azkarot, on a 9 brachot à Rosh Hashanah. Et quel rapport avec Rosh Hashanah? De Amar Mor be Rosh Hashanah Nifkeda, Sarah, Rachel ve Hana. On sait que Sarah Imenu était stérile, Rachel Imenu également. Et Hana également. Quand est-ce qu'elles ont été agréées par Akadosh Baruch Hu et que Hachem a décrété qu'elles vont avoir un enfant? C'était le jour de Rosh Hashanah. Alors, le jour de Rosh Hashanah, on a 9 brachot, comme Hana, dans sa prière, a mentionné 9 fois le nom d'Hachem. Encore. Hane Esrim Verbaad et Anita Kenegedmi. On sait que lorsque Am Israël traverse un moment délicat, qu'ils sont dans la détresse, qu'ils sont dans un tsahar communautaire, comme par exemple la sécheresse, il n'y a pas de pluie, il y a de la famine, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut organiser un ta'anit, des prières collectives. Et Hachamim
dans Maseret Ta'anit nous enseigne qu'il faut rajouter 6 brachot en plus. 18 plus 6, ça fait combien? 24. Alors c'est Esrim ve Arba brachot du Ta'anit, keneged mi, Amar Rabbi Helbo. כנגד 24 רננות שאמר שלמה המלך בשעה שהכניס ארון לבית קודשי הקודשים. עושה כמומו ושלמה המלך avait voulu pour la première fois introduire le Aaron à Kodesh dans le Beth Amikdash, eh bien il a adressé à Kadosh Baruch Hu 24 prières. Des rננות, comme dit Rashi, רננות בפרשת ויעמוד שלמה בספר מלאכים, Rina, Tfila, Techina, et ainsi de suite, il y en a 24. Quand il a dit, Seu She'arim Rashechem in Naseu Pitheolam Viavo Melechakavod, alors la Gemara dit, Yachi Kolioma Nami Nimrinu, pourquoi est-ce que on fait ça que le jour du Ta'anit, 24 brachot? On aurait dû chaque jour, dans chaque Amida, faire 24 brachot comme Shlomo Amelech. Réponse, Emat Amrinu Shelomo. Et Matai, quand est-ce que Shlomo a récité 24 brachot? Beyoma de Rahame, c'était un jour où il avait besoin de Rahamim. Les portes du Echal ne voulaient pas s'ouvrir. Et à ce moment-là, il a dit à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi des Hasadim de mon père, Zochra le Hasde David Avdecha. Et à ce moment-là, les portes du Echal se sont ouvertes. Venehefroup, Nesson et David Keshoule Kedera. Tous les ennemis de David qui disaient, ouais, c'est un rachat, il était avec Bathsheba, ils sont devenus pâles, ils ont pâli. Pourquoi? Parce que Akhbor Hu a voulu montrer à tout le monde qu'il avait pardonné à David Ameler. Et non seulement ça, c'est que Hachamim disent, Kola Omer David Hata et Noël Atoé, Bathsheba était déjà divorcée. Mais même pour un semblant de faute, David Ameler a fait Teshuva. Il a écrit tellement de mizmorim de Teshuva. Et Hachem a voulu faire savoir à tout le monde que David Ameler était un tzaddik vechassid. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que les portes du Echal ne voulaient pas s'ouvrir. Shlomo Ameler a dû adresser à Kadosh Baruch Hu 24 renanot jusqu'à ce que finalement les portes sont ouvertes. D'ailleurs, entre parenthèses, quand il a dit « Seu she'arim rashechem v'inas upitche olam » Viyavo Melech HaKavod, la Gemara dit que les portes du Echal sont venues pour lui pour l'engloutir, pour Hazé Shalom tuer Shlomo HaMelech. Ils ont dit, Mise Melech HaKavod, quoi tu te prends pour Melech HaKavod? Alors il a dit, non, Hazé Shalom, c'est pas moi. Mihuze Melech HaKavod, Hashem Tsevaot, Hu Melech HaKavod, c'est là. Et c'est comme ça que les portes sont ouvertes ce jour. Alors la Gemara dit, Shlomo HaMelech, quand est-ce qu'il a fait 24 brachot, 24 renanot, le jour où il avait besoin de rahamim? Nous également, quand est-ce qu'on va réciter Esrim Verba Brachot? C'est le jour où il y a de la sécheresse, un jour où on a besoin de rahamim. Continuons. Rabbi Yoshua Omer, Me'en Shmona Esre. On a vu dans la Mishnah une mahloket entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, combien de brachot et comment est-ce qu'on fait la Amida tous les jours. Chaque tfila, on fait la Amida. Comment on doit formuler ces brachot? Rabban Gamliel disait Shmona Esre brachot, comme on le fait d'ailleurs, mais Rabbi Yoshua disait Me'en Shmona Esre, presque 18. À peu près 18. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit Maï Me'en Shmona Esre. Qu'est-ce que ça veut dire à peu près 18? Mahloket, Rav Shmuel. Rav Amar Me'en Kol Bracha ou Bracha. D'après Rav, Behemet, on fait 18 brachot. Seulement, d'après Rabbi Yoshua, on n'a pas besoin de faire une bracha entière. On fait des brachot abrégées. Comment? Juste le début et la fin de chaque bracha. Ata honen l'adam da'at, baruch ata Hashem honen ad-da'at. Ou Shmuel amar havinenu. Et Shmuel dit que c'est la fameuse bracha qu'on appelle havinenu. Et cette bracha de havinenu, c'est une bracha qui est brève et on va voir comment
dans une seule bracha, on a englobé 13 demandes. Havineinu Hashem Elokeinu Lada Derachecha. Hakadosh Baruch Hu, donne-nous la bina, l'intelligence, pour comprendre et connaître tes chemins. Ça veut dire qu'on sache comment se comporter dans le chemin de la Torah. Umol et levaveinu leiratecha. Et fais-nous la mila du cœur. C'est quoi la circoncision du cœur? C'est faire teshuva. Aide-nous à faire teshuva. Vetislah lanu liyot geulim. Et pardonne-nous pour mériter la geula. Alors ici déjà, on a une bracha pour la chokhma. Ça correspond à ta honen. Molet levaveinu arotze bitshuva. Tislah lanu bauchata Hashem hanun amarbe lisloah. Liot geulim, bauchata Hashem, goel Israël, verachakenu mimachovenu, éloigne-nous de toutes les douleurs, de toutes les maladies, c'est refaenu, vedachenenu bin ot arzecha, offre-nous une terre grasse, c'est barech aleinu, mevarech hashanim, unfutsotenu me arba de kabetz, me kabetz nidhe amo Israël, veatorim al da'techa ishpetu. Alors, il y a deux versions. Soit Veatorim al-Da'atecha Ishafetu, soit Ishpetu. Ishpetu, c'est actif. Ishafetu, c'est passif. Rashi donne deux pirushim. Le premier pirush de Rashi, c'est Hatorim al-Da'atecha Ha'ovrim al-Devarecha. Ishafetu, Keneget Zdaka Omishpat. Ça veut dire que Torim ici, c'est avec Tav, pas avec tête, qui veut dire des gens qui se trompent. Torim, c'est Melachon Mezid. Réchaïm qui font le contraire de ta Torah, juge-les. La Shonaher, deuxième version, on parle des juges. Ve'atorim bamishpat, al-da'atecha ishpetu, hashivem lelamdam, lishpot kidvarecha, v'chen ikar nir'eli. Rashi donne raison à ce deuxième pirouche. Que hashiva shofetenu kevarishona, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous ramener les bons Dayanim, le Sanhedrin, qui jugeaient convenablement. Alors, on prie maintenant pour les juges actuels, que HaKadosh Baruch Hu leur donne la Chokhmah pour juger convenablement. Ve'atorim al-da'atecha ishpetu. Ceux qui se trompent en tant que Dayan, eh bien, enseigne-leur les bons Mishpatim pour juger convenablement. Ve'al-arecha'im tanif yadecha, et tant ta main contre les Rechaim, c'est la Malchinim et la Minimalte Itikva. Veismechu tzadikim, bebinyan airecha, ou betikun echalecha. On a ici deux brachot. Ala tzadikim val hasidim, et tishkon betoch Yerushalayim airecha. Ou bitzmihat keren le David avdecha. Ils vont se réjouir avec tzmihat keren David avdecha. De quoi on parle? Et tzemach David avdecha. Meherat atzmiyah, barichat ner le ben ishaï meshichecha. Terem nikra elecha atata ane. Akadosh Baruch Hu, réponds-nous avant même qu'on ait terminé notre demande, avant même qu'on s'adresse à toi, déjà réponds à nos besoins. Baruch ata Hashem shomea tefila, c'est la bracha de shomea tefila. Vous voyez donc qu'avec une seule bracha, on a englobé les 13 demandes de la Amida. Et c'est ça ce qu'il dit Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel dit 18 brachot. Rabbi Yoshua disait « Me'en Shmona Esre ». Et c'est quoi « Me'en Shmona Esre » d'après Shmuel? C'est en fait en tout 7 brachot. Trois premières, trois dernières. Et au milieu, on a « Shomea Tefila ». Mais ce « Shomea Tefila » englobe 13 demandes différentes. La Gemara raconte « Laït ala Abaye aman de matzle avinenu ». Abaye a dit « La lachel est comme Rabban Gamliel ». Il faut faire 18 brachot, et pas comme Rabbi Yoshua qui a dit « Me'en Shmona Esre ». Et celui qui se permet de faire comme Rabbi Yoshua, c'est-à-dire « Me'en Shmona Esre », il va abréger sa tefila. Abaye, il le maudissait. Alors à quoi elle sert cette bracha? Elle sert « Besharat Adhak ». Ça veut dire quelqu'un, par exemple, se trouve en chemin dans un endroit où il ne peut pas se tenir longtemps pour se concentrer dans cette fila. Il y a des Ovrei Drachim qui dérangent.
La personne se retrouve dans une situation inconfortable. Alors à ce moment-là, elle a la possibilité d'utiliser le Havinenu. D'ailleurs, entre parenthèses, le Yalkut Yosef dit que de nos jours, on n'a jamais vu quelqu'un qui se sert de cela. Et maintenant, la Gemara nous dit, Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Kol Hashana Kula Mitpalel Adam Havinenu, Chutz Mimotzai Shabbat U Mimotzai Yamim Tovim, Mipnei Shetzarich Lomar Avdala Bechonen Adda'at. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on est dans une situation de Shahat Adhak, on a dit qu'on peut faire la tefila de Havinenu. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de faire une tefila entière. Alors on fera une tefila abrégée. Mais attention, on ne peut pas Motzaï Shabbat ou Motzaï Yom Tov. Pourquoi? Parce que Motzaï Shabbat et Motzaï Yom Tov, on le sait, il faut dire Atahonan Tanu, où on parle là-bas de Havdalah. Ata Amarta l'Abdil Ben Kodesh Lechol. Et puisque dans cette bracha de Havinenu, il n'y a pas de Havdalah, alors c'est une bracha qui est impossible, Motzaï Shabbat ou Motzaï Yom Tov. Matkif la Rabba Bar Shmuel, venimra bracha rivi'id bifne atzma. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une bracha spéciale pour la Havdalah, en tant que bracha rivi'id, c'est-à-dire après El Akadosh, qui est bracha shlishit, on peut dire à ce moment-là une bracha spéciale de Hamavdil ben Kodesh Lechol ou ben Or Lachosher, Baruch Ata Hashem Hamavdil ben Kodesh Lechol. Milot nan Rabbi Akiva Omer, Omra, bracha rivi'id bifne atzma. D'ailleurs, toute l'année, Rabbi Akiva pense que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est sûr que la halakha n'est pas comme lui, mais ça pourrait être une solution pour la bracha de Havinenu, qu'on rajoute une bracha spéciale pour la Havdalah, Motzaï Shabbat. D'ailleurs, Rabbi Eliezer Omer Behoda'a, Rabbi Eliezer disait que la Havdalah, on ne va pas l'insérer et l'intercaler dans Atahonen, on l'intercale dans Modim, comme Alanissim vers la Pourkan. Alors en tout cas, nous voyons que Rabbi Akiva va dire que la Havdalah, c'est bracha bifne atzma. Réponse, atu kol hashana kula mi avdinan ke Rabbi Akiva de hashtana min avid. Est-ce que toute l'année tu fais comme Rabbi Akiva? Jamais. Tu ne fais pas une bracha spéciale de Hamavdil ben Kodesh Lechol. Tu l'introduis dans ta honen. Alors, là aussi, tu es obligé de... Tu ne peux pas faire une bracha à part de Hamavdil ben Kodesh Lechol. Et la Gemara, elle explique. Kol hashana kula maitarman lo avdinan ke Rabbi Akiva. Tamne sare takun, tish sare lo takun. Pourquoi toute l'année on ne fait pas comme Rabbi Akiva? Parce que nous, on considère que on a, Anshe Knesset Agdola, ils ont institué 18 brachot et pas 19. Alors, tu ne peux pas rajouter la Havdalah en plus. Achanami, Sheva Takun, Tamne Lo Takun. Quand tu fais la bracha de Havinenu, qui est une bracha spéciale lorsqu'on est dans une situation délicate et qu'on n'a pas la possibilité de faire une Amida complète, alors on a la possibilité de faire Sheva Brachot. Eh bien, Sheva Takun, Shmone Lotakun. Hachamim ont dit, avec Havinenu, tu as 7 brachot, 3 au début, 3 à la fin, Havinenu au milieu. Mais Zéou, tu ne peux pas rajouter encore une bracha de Hamavdil ben Kodesh Lechol. Matkif la Morzoutra. Morzoutra pose une question très forte. Il dit, Venich Lela, Miklal Havinenu Hashem Elokeinu. Hamavdil ben Kodesh Lechol, Kashia. La Gemara laisse ça comme une question sans réponse. Quelle question? Quel est le problème? Tu peux dire une phrase très courte au milieu de Havinenu pour la Havdalah. Comment tu dis? Havinenu Hashem Elokeinu. Hamavdil ben Kodesh Lechol, la da'ad erachecha. Havinenu, Hashem Elokeinu, la da'a de rachecha. Au lieu de dire comme ça, tu dis comme ça. Havinenu, Hashem Elokeinu, Hamavdil ben Kodesh Lechol, la da'a de rachecha. Toi, Kadosh Baruch Hu, qui est Mavdil ben Kodesh Lechol, donne-nous la chokma pour apprendre tes chemins, ta Torah. Donc, cette question reste sans réponse.
toujours à propos du même sujet, de la bracha de Avinenu, la Gemara nous dit « Amar Rav Bibi bar Abaye, kol hashana kula, mitpalel adam Avinenu, chutz mimot ha-geshamim, mipene shetzarich lomar she'ela bibirkat hashanim. » Rav Bibi bar Abaye va dire « Toute l'année, l'homme doit faire la bracha de Avinenu, pardon, il peut faire la bracha de Avinenu lorsqu'il a besoin, à l'exception de l'hiver. » Bimot Ageshamim, il ne peut pas. Pourquoi? Mais Peneshet Sarik Lomar, chez Ela, Bebirkat Hashanim, Veten Talomatar Livracha, Alkol Peneha Adama, il faut demander la pluie. Or, dans la bracha de Avinenu, il n'y a pas de demande de pluie. Matkif Lamarzout, Rabbi Nichlela Miklal, Vedashenenu Bid Otartzera, Veten Talomatar Livracha. Quel est le problème? Dans cette bracha de Avinenu, il y a une phrase qui correspond à Mevarech Hashanim. Vedashenenu bin ot artsecha. Donne-nous une terre grasse. Eh bien, là-dedans, tu dis, veten talomatar livracha. Tu peux associer la demande des pluies à Birkat Hashanim. Réponse, atelitrude. On ne peut pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sidurim. Il ne lisait pas dans le sidur. C'était par cœur. Eh bien, si tu vas lui changer la formulation, eh bien, il va te perturber. Il va rajouter une phrase. Veten talomatar livracha. Après, il ne sait plus comment continuer. La Gemara dit Iachi, Havdala bechonenadat nami, atelitrude. Pourquoi tu avais dit avant Kashia? Tu n'as pas trouvé de réponse. Voilà une bonne réponse. Tu peux dire que pourquoi on ne rajoute pas Hamavdil ben Kodesh lechol dans Avinenu? C'est parce que si tu rajoutes quelque chose d'exceptionnel, alors la personne, elle va se perdre. Elle ne saura pas comment. Comment continuer cette fille-là? Elle sera perturbée. La Gemara dit non, c'est pas pareil. Perturber, ce risque de perturbation, il n'existe que dans Veten Talomatar Livracha, mais pas dans Hamavdin Ben Kodesh Lechol. Pourquoi? Amre, Hatam Kevan Deatia Bitrila Tzlota, Lomitrid, Acha Kevan Deatia Bemtsa Tzlota Mitrid. Havineinu Hashem Elokeinu. C'est le début de Tzlota, c'est le début de cette prière. Quand tu es au début, même si tu rajoutes une phrase, tu ne vas pas te perdre, parce que tu es encore au début. Quand est-ce que ça peut perturber? Quand c'est au milieu. Be'emtsa Tzlota. Dans Mevarech Hashanim, si tu vas dire Vedashenenu bin ot artzecha, Veten talomatar livracha, puis Tom, tu ne sais plus comment continuer. Alors maintenant, la Gemara pose une autre question. Elle dit. Matkif la Rav Ashi, venim rabbe shomea tefila. De amar rabbi tanchum amar rabbi asi, ta'avelo izkir givrot geshamim bitriyat ametim, marzirim oto. Sheela bebirkat hashanim, en marzirim oto. Mipene sheyachole omra, beshomea tefila, veavdala bechonen adat, en marzirim oto. Mipene sheyachole omra, alakos. C'est-à-dire, on a trois alakhot. Quelqu'un qui a oublié Mashiva Ruach Morid Geshem, dans la tefila, il doit recommencer la Amida. Quelqu'un qui a oublié Atahonan Tanum, Motsai Shabbat, dans Atahonen, n'a pas besoin de recommencer. Pourquoi? De toute façon, il va faire Abdallah à la Kos. Donc, s'il a oublié Abdallah dans la Tfila, ce n'est pas grave. Il va se rattraper dans Abdallah à la Kos. S'il a oublié de dire Veten Talumatar Livracha dans Birkat Hashanim, alors tant qu'il est avant Shomea Tefila, ce n'est pas la peine de faire marche arrière. Qu'il dise dans la Bracha de Shomea Tefila, Veten talumatar livracha, ki ata shomea tefila tkolpe, baruch ata Hashem shomea tefila. Tu vois donc qu'on peut introduire la bakasha de la pluie dans la bracha de Shema Kolenu. Alors même dans Havinenu, on a au début Havinenu, et à la fin, comment on dit, terem nikra ata ta'ane, baruch ata Hashem shomea tefila. Là-bas, avant de dire Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, on peut dire Veten Talumatar Livracha, une petite phrase. Et là, tu ne peux pas me dire que ça va le perturber. Parce que perturber, c'est qu'au milieu de la bracha. Ni au début, Havinenu, ni à la fin, dans Shomea Tefila. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé cette solution? Pourquoi tu me dis. Motsai Shabbat, il ne faut pas dire Avinenu, parce que tu ne peux pas dire Veten Talumatar Livracha en hiver.
Ma baya. Tu dis Vetental ou Matar Livracha qui attache au mea tefila de colpé. Bon, attache au mea tefila. Comme pour quelqu'un qui s'est trompé. La Gemara dit non. Ta'a sha'ané. Ne compare pas l'incomparable. La solution de dire Vetental ou Matar Livracha dans Shomea Tefila à la place de Mevarech Hashanim, c'est uniquement pour quelqu'un qui s'est trompé. Mais le Chatrila, Vetental ou Matar Livracha, ça ne doit pas se dire dans Shomea Tefila. Le Chatrila, il faut le dire dans Birkat Hashanim. Alors la même chose, on ne pouvait pas instituer de dire le Chatrila, Vetental ou Matar Livracha à la fin de Avinenu. Parce qu'à la fin de Avinenu, c'est Shomea Tefila. Quel rapport? Tu ne dois pas dire Vetental ou Matar Livracha là-bas, tu dois le dire avec Vedashenenu bin Otar Tsecha Vetental ou Matar Livracha. Ça, c'est les Chatrila. C'est que Bedi'avad, lorsqu'on a oublié Bimkomo, on se rattrape dans Shomea Tefila. Goufa. On dit le mot Goufa à chaque fois qu'on reprend un sujet qu'on a déjà vu. Behemet Lagmara maintenant va analyser cette halakha qu'on a citée avant. Goufa, Amar Abitanchum Amar Asi, Ta'a velo iskir gevurot geshamim triyat ametim, arzirim oto. Quelqu'un qui a oublié de dire Mashivaru Achmorid Geshem dans triyat ametim, avant de dire Baruch Mechaya ametim, il doit recommencer la Hamida. She'ela bebirkat Hashanim en marzirim oto. Quelqu'un qui a oublié de dire Vetental Umatar Livracha dans Birkat Hashanim, il ne recommence pas. Parce qu'il peut se rattraper dans Shomea Tefila. Et celui qui a oublié Atahonan Tanu n'a pas besoin de recommencer à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il va se rattraper à la kos, il fera la Havdala. La Gemara pose une question métive et pourtant on a appris Ta'a veloiz kir gevurot geshamim bitriyat ametim mahazirim oto. She'ela bibirka atashanim mahazirim oto. Avdala bihonen adat en mahzirim oto, mipene shiachole omra la kos. On voit dans cette baraïta le contraire de ce qu'on a dit. Par rapport à Avdala, dans Honen adat, on a vu la même chose. Par rapport à Azkara, dans Mechaya Metim, Azkara de Geshamim, pareil, il n'y a pas de contradiction. Là où il y a une contradiction, c'est dans She'ela bibirkat Hashanim. Avant, on avait dit que quelqu'un qui a oublié Vetental Umatar Livracha dans Birkat Hashanim n'a pas besoin de recommencer parce qu'il peut se rattraper dans Shema Koleinu. Et maintenant, tu me dis, Marziri Moto, il doit recommencer la Hamida, Lama. Ou bien il doit recommencer depuis Barech Aleinu. Pourquoi il doit recommencer depuis Barech Aleinu? Mais il peut se rattraper dans Shema Koleinu. L'Akashia. Rabbi Yahid, Rabbi Tzibur. Betzibur maitamalo, Mishum de Shama, Mishal Yahtzibur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on dit que En Mahzirimoto, il n'a pas besoin de recommencer quand il a oublié Vetental Omatar Livracha dans Birkat Hashanim? C'est Betzibur. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le Hazan qui va recommencer la Hamida. Comme le Hazan va recommencer la Hamida, alors il peut écouter attentivement toute la Hamida du Shaliar Tzibur et il va s'acquitter. Par contre, Biyahid, il n'y a pas de Chazara Tachat, puisqu'il n'y a pas de Chazara, à ce moment-là, Mahaziri Moto. La Gemara dit, ah bon, Yahi, si c'est comme ça, Haï mi pene sheyachol leomra beshomea tefila, mi pene sheshomea mi Shaliar Tzibur mi ba'ele. Pourquoi tu m'as donné la raison? Avant, tu m'avais donné la raison. Pourquoi on ne recommence pas depuis Barech Aleinu? Parce qu'il peut dire Vetental Umatar Livracha dans Shomea Tefila. Ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est parce que il va écouter du Shaliar Tzibur. Et là, alors la Gemara, elle fait marche arrière. Elle dit Idi ve Idi be Yahid. Les deux Dinim, ça parle d'un homme qui est Yahid. Mais la Kashia, il n'y a pas de contradiction. Une fois on dit qu'il doit faire marche arrière, et une fois on dit qu'il complète dans Shema Kolenu Vetental Omatar Livracha. Dans quel cas?
Ha dit kar kodem shomea tefila. Ve ha dit kar batar shomea tefila. Si il a déjà dit shomea tefila, alors il ne peut pas se rattraper. Alors là, il est obligé de revenir à Barech Aleinu. Mais si il n'a pas encore dit shomea tefila, il n'a pas besoin de revenir à Barech Aleinu. Il dira vetental umatar livracha dans shomea tefila. Puisqu'on a parlé des erreurs dans la prière, la Gemara va nous parler maintenant encore de gens qui ont oublié au milieu de la tefila de mentionner quelque chose. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ta'a velo izkir shel Rosh Chodesh ba'avoda chozer la'avoda. Quelqu'un qui a commencé Retzé et ensuite il a oublié de dire Ya'alev Yavo à Rosh Chodesh. Eh bien, tant qu'il est encore dans la Avoda, c'est-à-dire la bracha de Retzé, ça s'appelle Avoda. Retzé Hashem Elokeinu Be'armecha Yisrael Ve'litzviatam She'e Ve'Hashem Avoda Lidvir Betecha. Donc, tant qu'il est encore dans la Avoda, il fait marche arrière. Et il recommence Retzé, Ya'alev Yavo. Nizkar Bahoda'a Choser la Avoda. Si c'est rappelé au milieu de la bracha de Modim, qui n'a pas dit Ya'alev Yavo, il revient à Retzé, Choser la Avoda. Et il dit Ya'alev Yavo, il continue. Bessim Shalom, Choser la Avoda. S'il s'est rappelé qu'il n'a pas dit Ya'alev Yavo, alors qu'il était déjà en train de dire Sim Shalom, il fait marche arrière, il revient à Retzé, il dit Ya'alev Yavo, et il continue l'Amida, normalement. Bim Siyem, Choser les Roches. Mais s'il a terminé totalement l'Amida, alors il doit recommencer la Amida à zéro pour faire Ya'alev Yavo. Amar Rav Papa Berede Rav Habar Hada. Rav Papa, le fils de Rav Habar Hada, donne une précision. Ah, de Amaran, Siem Choser les Roches. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un qui a terminé la Amida, il a oublié Ya'alev Yavo, il doit recommencer la Amida à zéro? Lo Amaran est lâché à Karaglab. C'est seulement s'il a déjà reculé en arrière, il a fait les trois pas pour faire Rosé Shalom. Aval lo akar aglav, mais s'il n'a pas encore reculé, choser la avoda, c'est considéré comme s'il est encore au milieu de la amida, il revient à Retzé et il dit Ya'alev Yavo. Amarle minna lacha, d'où tu sais ça? Amarle mi abba mari shami ali, ve abba mari merav. Moi je l'ai entendu de mon père et mon père l'a appris de Rav. Encore une précision. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, ha de Amaran akar aglav choser les roches, lo Amaran el hasheno ragil omar tachanuni mahar tfilato, aval ragil omar tachanuni mahar tfilato choser la avoda. Rav Nachman Bar Yitzchak nous dit que quand est-ce que quelqu'un qui a terminé la tefila et se rend compte qu'il n'a pas dit Ya'alev Yavo, il doit recommencer à zéro parce qu'il a déjà fait trois pas en arrière, c'est seulement s'il n'a pas l'habitude de demander à Kadosh Baruch Hu des bakashot pratiot, des demandes personnelles. Mais quelqu'un qui a l'habitude, après avoir fait trois pas en arrière, avant de dire Rosh Shalom, il demande à Kadosh Baruch Hu toutes sortes de demandes. C'est comme ça qu'il faisait à l'époque. Nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on demande à Hachem avant de dire Yule Ratson. Ça veut dire, on dit Yule Ratson Imrefi. Et on demande encore, si on a des besoins personnels, on peut demander tout ce qu'on veut. Et on termine en disant encore une fois, Yule Ratson Imrefi. Et on fait trois pas en arrière et Rosh Shalom. C'est comme ça que nous, on fait. Mais eux, ils faisaient autrement. Ils faisaient trois pas en arrière et ils demandaient encore des choses. Alors, c'est de cela qu'il parle Rav Nachman Bar Yitzchak. Il dit, quand est-ce qu'il doit recommencer à zéro? Celui qui a oublié Ya'alev Yavo doit recommencer toute la Amida parce qu'il a déjà fait trois pas en arrière. C'est seulement parce qu'il n'a pas l'habitude de faire des Tachanunim à ce moment-là. Mais quelqu'un qui a l'habitude d'adresser à Kadosh Baruch Hu des demandes personnelles, même après avoir fait trois pas en arrière, eh bien, ça suffit de revenir au Retzé, Choser la Avoda. Il ne recommence pas toute la Amida.
Mais s'il n'a pas l'habitude de faire des demandes personnelles après sa prière, alors il doit recommencer toute la Amida. Très bien. Maintenant, la Gemara revient à la Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer Omer, Haose tefilato keva, en tefilato tahanunim. Celui qui fait de sa prière keva, sa prière n'est pas considérée tahanunim. Mai keva, Amar, Rabbi Yaakov bar Idi, Amar Rabbi Oshaya, kol shetefilato de maralav kemasoy. Tout celui qui a l'impression, quand il fait la tefila, que c'est un lourd fardeau à porter. Il attend impatiemment de terminer sa tefila. Il a fait juste parce que c'est un chiyuv, mais il cherche à se débarrasser très vite. Ça s'appelle tefilato keva. Il a fait comme un devoir et non pas comme une supplication. Il s'adresse à Kadosh Baruch Hu parce qu'il a besoin d'Hachem. Il demande pitié à Hachem. Donc au contraire, il ne doit pas vouloir se débarrasser rapidement. Au contraire, il sait que maintenant il a l'occasion d'avoir la réponse à tous ses besoins. C'est un privilège d'avoir un rendez-vous avec Hachem, à qui il peut tout demander. Verabanan Amre, kolmi she'eno omra belashon tahanunim. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout celui qui ne dit pas avec un lashon de tahanunim. D'accord? Ça veut dire qu'il le dit comme s'il est tranquille. Si Hachem me répond très bien, sinon je n'ai pas besoin de lui. Hasve shalom. Tu dois ressentir que tu es ani, haomed bapetah, comme quelqu'un qui est dans une situation où il n'a rien du tout. Il a besoin au secours. Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Même quelqu'un qui est riche, hasve shalom, en une seconde il peut tout perdre. Même quelqu'un qui est en bonne santé, en une seconde il peut tomber malade. Donc on doit toujours avoir la hargasha qu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu à chaque seconde. Et tout ce qu'on a eu comme cadeau jusqu'à présent, c'est un cadeau du passé. Ce n'est pas une garantie pour l'avenir, pour une assurance vie, une assurance pour le futur. Demande à Kadosh Baruch Hu, prie, supplie. Rabba Verav Yosef Damre Tarvayu Kolcheno Yachol Echadesh Bahadavar. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui ne rajoute jamais des demandes personnelles. Tout le temps la même chose, la même chose. Il faut rajouter à la fin de la tefila quelque chose qui est une demande personnelle. Amar Abizera, Ana Yachilna, le Hadouche Bamilta, ou Mistafina Dinma Matridna. En réalité, quand on parle de rajouter, ça veut dire que dans chaque bracha, on peut être Mehadesh des choses qui correspondent à la bracha. Par exemple, quelqu'un qui a un malade dans sa famille. Alors dans Rifaenu, il peut mentionner le nom du malade, et ainsi de suite. Quelqu'un qui a des problèmes de Parnassa, dans Barech Aleinu, il demande à Hachem Itbarach de manière précise ce dont il a besoin, et ainsi de suite. Rabbi Zera disait, je peux rajouter des demandes personnelles, mais j'ai peur. Parce que si je vais rajouter des choses personnelles, je ne saurais pas comment continuer la Hamida. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas de sidour. C'était par cœur. Alors il dit, si je rajoute, je vais me perturber, je vais me tromper après. Abaye bar Avin, Verabi Hanina bar Avin, de Amre Tarvayhu, deux frères qui disaient, Kol sheno mitpalel imdim dome hama. De Amar Rabbi Chiya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, mitzvah litpalel imdim dome hama. Qu'est-ce qu'on appelle tfilato keva? C'est quelqu'un qui ne prie pas avec le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Gemara va dire, je préfère lire la suite et après je reviens en arrière. Mais Amar Rabbi Zera Maïkra, de quel pasouk on l'apprend? Ira uchaim shamesh velifne yareyach dordorim. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que le et ratson, pour une bonne tefila, c'est au netzahama. La tefila avec le netz, c'est zman de et ratson. Alors, les deux frères nous disaient, tu veux savoir quand est-ce qu'il faut prier mincha? Mincha aussi, c'est juste avant la Shkia. Im dim dume hama. Et de quel pasouk on l'apprend? Ira ucha im shamesh velifne yare yach dordorim. Ira ucha. La tfila s'appelle un moment de ir at shamaim. Ira ucha im shamesh velifne yare yach, avant que la lune elle apparaisse, avant le coucher du soleil,
eh bien, ils te feront des tefilot, les dordorim. Alors, quelqu'un qui cherche à faire la tefila au moment du Eid Ratzon, ça veut dire que sa tefila, elle est tahanonim. Quelqu'un qui fait la tefila juste parce qu'il veut s'acquitter de son devoir rapidement, il ne cherche pas le Eid Ratzon. Le principal, c'est qu'il a fait la tefila. Mais quelqu'un qui fait une tefila betahanonim, il attend le zman de Eid Ratzon pour que cette tefila soit agréée et exaucée. Mais la Gemara dit que laite ala bimarva aman de metzalem dimdu mehama maitama dilma mitarfa leshata. La Gemara dit qu'en Eretz Israël, on adressait une malédiction, une klala, à celui qui faisait mincha juste avant le coucher du soleil. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas attendre la dernière minute. Peut-être qu'après le soleil va se coucher et il va rater l'heure de mincha. Il ne faut pas prendre de risque. Voilà comment la Gemara a conclu ce sujet. Et maintenant, on revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu que quelqu'un qui se trouve dans un endroit dangereux, et il ne peut pas se permettre de faire une tefila normale, alors il fait une tefila ketsara. Rabbi Yoshua Omer, Bemakom Sakana, Mitpallel Tefila Ketsara. Redisons, c'était quoi la Tefila Ketsara? Rocha Hashem et Amecha, Hashem délivre ton peuple, et Cherit Israël, Ram Israël qui est rescapé, Bechol Parashat Aibur, Iyutzorkem Nefanecha, Baruchata Hashem Shomea Tefila. Alors la Gemara va demander, Mai Parashat Aibur, ça veut dire quoi Parashat Aibur? On va avoir plusieurs traductions. Amar Afrizda Amar Marokva Afilu Besha'a Shata Mitmale Alem Evra Keisha Ubara Iyu Kol Tzorkeem Lefanecha. Ça veut dire, même au moment où Hasve Shalom, tu es plein de colère contre ton peuple, comme une femme qui est pleine du bébé, elle est chargée de son bébé, eh bien, malgré tout, s'il te plaît, Hachem, aie pitié de ton peuple. Même s'ils ne méritent pas, donne-leur tout ce qu'ils ont besoin. Il y a d'autres qui disent, Amar Afrizda Amar Morokva, Afilu Besha'a, Shem Ovrim Al Divre Torah, Iyu Kol Tzorkeem Lefanecha. Le mot Ibur, ça vient du mot Avera. Même s'ils sont Ovrim des Averot, ils sont Ovrim al Divrei Torah, ne les oublie pas, ne les juge pas avec rigueur, aie pitié d'eux. Iyut Sorkehem Lefanecha répond à tous leurs besoins. Tanu Rabbanan, Amealer Bemakom Gedude Hayav Elistim Itpalel Tefila Ketzara. Maintenant, nous allons voir qu'il y a d'autres Shitot par rapport à la Tefila Ketzara. Ça, c'était une première version, c'était l'opinion de Rabbi Yoshua dans la Mishnah. Mais la Baraita va nous citer Rabbi Eliezer. Ameyaler bemakom gedude hayav elistim, quelqu'un qui se trouve dans un endroit où il y a des bêtes féroces ou des brigands, mitpalel tefila ketsara, au lieu de faire la Hamida, il va réciter une prière très courte, vezoi tefila ketsara. Rabbi Eliezer omer, aser etzoncha bashamayim imma'al, ותן נחת רוח לראיך מתחת, והטוב בעיניך עשה, ברוך אתה השם שומע תפילה. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. עשה רצונך בשמיים, שאין שם חטא, ואין רצונך עליהם אלא לטוב, ועבור לתחתונים על רצונך. ותן להם לראיך נחת רוח, שלא יתערבב רוחם על ידי הבריות, כגון על ידי חיות וליסטים. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, Hachem, là-haut, tu fais ce que tu aimes faire, c'est-à-dire, puisque les malachim, ils ne fautent pas, alors tu leur donnes tout ce qu'ils ont besoin aux malachim, parce qu'ils ne font jamais de haverot. Mais en bas, sur terre, malheureusement, on a le yetzer hara. Alors, malgré tout, avor la tahtonim al retzonecha. Pour les tahtonim, même s'ils ne méritent pas et tu n'as pas en quelque sorte le ratson de leur donner, donne-leur.
Et ceux qui te craignent, donne-leur le nahat ruah, la tranquillité, qu'ils ne soient pas embêtés ni par les hayot ra'ot, les bêtes féroces, ni par les listim, les bandits. Ve'atov be'enecha aseh atalahem, et fais ce qui est bon à tes yeux envers eux. Comme ça dit Rashi, Dougmazou Matsenou Sefer Shoftim, on a trouvé un échantillon de cette prière dans Sefer Shoftim. Vayombrou Beni Israël Hatanu, Ase Atalanu, Kechol Atov Be'enecha, Achatzilenu. Après ça, Rabbi Yoshua Omer, Shema Shavahat Amecha Israël, Vaase Mehera Bakashata Mahurat Hashem Shomea Tefila. Il y a une deuxième version de cette prière très courte, très brève, aussi qui est donnée par Rabbi Yoshua, c'est She'e Shava'at Amecha. Shava'a, Rachidi Lachon Geniha, Yoter Mitfila, c'est comme un gémissement. Écoute le gémissement de ton peuple et réponds rapidement à leur demande. Baruchat Hashem Shomea Tefila. Rabbi Lazar Barbi Tzadok disait, voici la prière qui est brève. Shema tse'akat amecha Israël va asemeram bakashatam ochat Hashem shomea tefila. La tse'aka, c'est encore plus fort que Shava'a. Écoute les cris de ton peuple. Aherim omrim tsoche amecha Israël merubim vedatan ketsara. Les besoins de ton peuple sont nombreux et ils ne savent pas les formuler. Ils ne savent même pas comment s'exprimer. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, comble leurs besoins. Parce que toi, Hashem, tu sais ce qu'ils ont besoin. Baruchat Hashem Shomea Tefila. J'ai sauté une ligne. Datam Ketsara. Yehi Ratzon Minefanecha Hashem Elokeinu. Akadosh Baruch Hu. Que ta volonté soit. Shetiten Ekolechad Vechad Kede Parnasato. Donne à chacun la parnassa dont il a besoin. Ulchol Gevia Ogvia Demahsora. Et comble le manque de chaque créature. Baruchat Hashem Shomea Tefila. Amar Ravuna Halacha Ke Aherim. Ravuna dit que l'Halacha est comme Aherim, qui a dit voilà la Tefila brève, je répète. Tzorke Amecha Merubim. Vedatam Ketzara. Yehi Ratzon Milfanecha Hashem Elokeinu. Shetiten Lekolechad Vechad Kede Parnasato. Ulchol Gevia Ogvia Demahsora. Baruchat Hashem Shomea Tefila. Voilà pour ce DAF.